Jessie, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture. Donc en fait, dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé d'une petite surprise, donc la voilà. Donc ici, vous avez deux tripacks. Donc là, vous avez le premier avec deux boosters Tempête Plasma et un avec Frontières Franchies. Et la promo Fenard, qui est holographique. Bon, je sais pas si vous le voyez très bien à la caméra, bon, c'est encore sous plastique, donc au pire, vous la verrez après. Et donc là, vous avez le deuxième tripack avec deux boosters Frontières Franchies et un de Dragon Exalté. Donc j'espère que j'aurai assez de chance. Ah, et puis bien sûr, la carte promo qui est Tranche d'eau, qui est aussi très jolie. Donc on va... Non, je vais commencer par celui-là. Parce que, en fait, Tempête Plasma, je préfère le garder pour la fin. Parce qu'en fait, j'espère tomber sur la Drape au Feu secrète. Mais bon, dans un tripack, faut pas trop rêver. Et si je pouvais tomber dessus, ce serait cool. Voilà, ça y est. Donc la carte promo, j'espère qu'elle s'est pas abîmée. Donc là, c'est la Tranche d'eau. Elle est vraiment superbe. J'aime beaucoup. On va tout de suite la mettre sous protection. J'ai pas envie qu'elle s'abîme. Quand j'arriverai à ouvrir le plastique, déjà, ce sera pas mal. J'arrive jamais à ouvrir les trucs. Voilà. Et on la met de côté. Donc là, merde, j'ai pas cadré, je suis désolée. Donc là, vous avez le jeton avec Zoroark, qui ne complétera pas la collection, je crois d'ailleurs. En même temps, on l'a déjà. Donc on va tout de suite enlever le scotch. Et je m'en mets plein les doigts. Voilà, c'est fait. Bon, on va tout de suite ouvrir le deuxième, au moins comme ça, c'est bon, ce sera derrière nous. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer, d'ailleurs je crois qu'elle a déjà un pet. Ça m'énerve. Ouais, et en plus, elle est vraiment bignée. Ouais, punaise, elle a pris un coup. Ah ouais, putain. Oh, pardon. Oh là là. Je sais pas si vous le voyez là, mais ouais, elle a vraiment un pet. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'elle est vraiment magnifique cette carte, je l'adore. Elle a des trop beaux reflets, c'est rouge, orange, bleu, vert, enfin c'est trop trop beau. Voilà, au moins maintenant elle est protégée, elle risque plus rien. Maintenant c'est bon. Voilà. Ici, on a... Ouais, je crois qu'on l'a aussi, ou alors on l'a pas. Ouais, faudra que je vérifie, mais je crois qu'on l'a. Donc là, ici, on a le booster Frontières Franchies. Bon, celui-là, on l'ouvrira après. Hein. Et puis maintenant, on a les deux Tempêtes Plasma. Faut que je fasse gaffe parce que pas que ça m'ouvre le booster. Bon bah ça c'est pas grave, s'il reste de scotch, je vais le laisser. Ce sera plus simple. Oups, j'ai bougé le décor. Voilà. Donc on va prendre... Ouais, on va prendre les deux Frontières Franchies. Même au dos, j'ai encore du scotch. Ah voilà. Faudrait que j'essaye de l'ouvrir à peu près correctement parce que normalement ceux-là on les a pas du tout comme booster. Donc, j'espère que je vais pas merder. J'espère que je l'abîme pas trop derrière parce que j'ai vraiment envie qu'on les garde. D'ailleurs, non, je crois que c'est foiré parce que je pense que en fait ça va se voir. Non, peut-être pas. Non, je crois que ça va. Je pense qu'on peut le garder, en fait. Ouais.
Donc comme d'habitude, ici vous avez le code. Alors, on commence et on découvre tout de suite les cartes. Elle est trop mignonne la cubite, ok. Un gros tichon. Il est pas mal aussi. Carolina, Grucui, Cradopo. Moi, celui-là, je l'aime pas trop. Sac de nœuds, celui-là, il est mignon. Kung Fuin. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais reculer un petit peu. Voilà, ce sera peut-être mieux pour vous. Donc, Moustillon. Ah, celui-là, il est pas mal. J'aime bien. Il a l'air fier. Spwink en reverse avec un volcan, là. Trop mignon. Et... Oh, elle est trop belle. C'est Roi Sifflamme, donc en holo. Elle est trop jolie. J'espère que vous la voyez bien, parce que franchement, là, l'holographique, il est superbe. Merde, j'ai... Attendez, j'ai le ciseau qui est collé. Voilà. Elle est trop, trop belle. Bon, en tout cas, déjà, ça commence bien. Je suis contente. On va la mettre là. On la garde pour plus tard. On enchaîne tout de suite avec le deuxième booster. Ouais, je vais aussi faire attention pour l'ouvrir. Ouais. J'espère ne pas l'abîmer lui aussi. Je voudrais bien le garder. J'ai déjà eu de la chance avec l'autre booster. Bon, bah, je crois que je l'ai mieux ouvert en fait celui-là. Où est-ce que j'ai mis l'autre? J'ai perdu l'autre. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. C'est bon, je l'ai retrouvé. Donc là, le code. 3. Et c'est parti. Donc, Lakme Singh, qui a ses autres congénères avec lui. Mona, qui est pas mal non plus. Oh, Karabaf. Il est aussi choupi. Bon, bah celui-là, on l'a eu avant. Échange, Coanton. Bon, celui-là, il est un peu banal. Mystère. Bon, celui-là, j'aime bien aussi. Ponchio. Noctunoir. Il est pas mal. Bon, normalement, c'est pas un personnage. Un Pokémon, pardon, que j'apprécie en général. Mais là, je le trouve assez classe, en fait, dessus. Et le reverse, c'est vraiment superbe. Je kiffe. Et on va terminer avec... Bon, c'est pas une holo, mais c'est pas grave. Donc là, ce sera des Flaisans en rare. Elle est aussi pas mal. J'aime bien, c'est un plan général, là, sur une ville. Avec le Pokémon en plein vol, elle est vraiment pas mal aussi. Alors du coup, bon... Non, on va quand même d'abord terminer le premier tripack, comme ça après, on prend le deuxième et voilà. Donc du coup, là, on va passer à Dragon Exalté. Pour ceux qui connaissent pas cette série-là, donc elle date de 2012, je crois. Et dedans, il y a une Mew EX foulard. Elle est trop, trop belle. Celle-là, mais j'adorerais l'avoir. Franchement, si je pouvais tomber dessus. Mais bon, là, j'ai qu'un booster, donc... Je pense pas, mais franchement, celle-là, ouais, je kifferais l'avoir un jour. Je croise les doigts. Et merde, j'ai foiré le booster. Fais chier. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. Le code. 1, 2, 3. Et c'est parti. Donc, ceux-là. Bon, là, vous le voyez pas à l'écran, mais en fait, je pousse les autres cartes parce que j'ai pas envie de les mélanger. Et c'est parti. Et donc alors, Cap Géante, Géolite, ah celui-là, j'aime bien celui-là, Mustéflo, Gricknot, pas mal aussi, Roselia, Parcool, celui-là il se fait pas chier, alors Mangal, Cap Humain, ah celui-là j'adore le style, c'est trop choupi, Yann Mega en reverse, celle-là aussi elle est vraiment pas mal. Il y a vraiment un style, j'aime beaucoup.
Et là, bah non, j'aurais pas ma Miu X, ma Miu EX, pardon, foulard. Non, je l'aurais pas cette fois. Et on termine. Oh, c'est dommage, j'aurais bien voulu au moins une holo. Ça fait rien. Et on termine avec Papinox en rare, qui est aussi très mignonne, hein, faut avouer ce qu'il en est. Et donc, du coup, bah, c'est terminé avec Dragon Exalté. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, d'un côté, je me doutais bien qu'en un booster, j'allais pas avoir la carte que je voulais, hein. Faut pas s'inquiéter. Et donc, du coup, là maintenant, on va passer au deuxième tri-pack. Et on va prendre le Frontière Franchie. Comme ça, on pourra terminer avec le Temple de Plasma et peut-être la Dracaufeu, hein, on sait jamais. Donc là, je pourrais aussi le garder. Donc le code 3. Et c'est pareil dans cette série-là, Frontières Franchies, il y a aussi deux foulards qui sont aussi super jolis. C'est la Celebi EX et la Keldeo EX qui sont vraiment aussi superbes au niveau des couleurs, qui ont des superbes reflets. Et celle que j'aime bien, c'est bah, forcément les secrètes. Je parle pas de la carte dresseur, mais vraiment des secrètes avec les Pokémon Shiny dessus. Je crois qu'il y en a trois. Et je les trouve vraiment magnifiques. Enfin bref. Donc c'est parti. Donc Delcati, Orchidée, il est trop chou. Kubutoke, donc celui-là on l'avait eu juste avant. Carapuce, celui-là j'aime bien aussi. Ratatouille. Même celui-là, Ratatouille, c'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement, mais là je le trouve vraiment trop trop mignon. Je veux dire, c'est vraiment un dessin qui est vraiment trop trop choupi. Ah, c'est la mèche. Bon, il a une drôle de tête, mais bon, c'est pas grave. Parce que normalement, j'aime bien sa mèche. Misterbe. Je me demande si je l'ai pas eu avant. Chauve-sourire. Ah, j'ai encore celui-là. Décidément, je crois que je l'ai eu dans les trois boosters, mais je sais plus. Deux fois en reverse et une fois en normal. Enfin, je sais plus. Et on va terminer avec. Ah, bah au moins, j'aurai une holo. Encore une fois. Donc c'est la Cisaiox. Celle-là aussi, franchement, elle est superbe. Juste avant, j'avais eu la Roitiflamme. Elles sont vraiment magnifiques. Pareil, Cisaiox, c'est un Pokémon que j'aime bien. Hop. J'espère qu'elle a pas ripé quand je l'ai mise. Voilà. Donc ça pareil, je vais aussi les mettre de côté, les cartes. Et maintenant, on va terminer donc avec le Tempête Plasma. Quand j'arriverai à attraper le truc derrière. Bon, ceux-là, je peux les ouvrir comme je veux. On s'en fout, on les a déjà. Donc, ça passe. Le code. Et c'est parti. Donc, Nikolai, Ramboum. Je sais pas si je l'ai bien dit, c'est pas grave. Togé. Togetic, il vous sort, moi celui-là j'aime bien aussi. Viscuse, celui-là j'aime déjà moins. Riolu, Funessir, Chuchmur, Tarsal en reverse. Je crois que je me suis spoilé. Ouais, je me suis spoilé là. Ouais, je me suis spoilé. C'est bien ce que je disais. Bon, c'est c'est pas grave, on la garde pour après. J'ai envie de bien terminer. Bon, je sais déjà que c'est pas ma secrète. Ah, pardon. Donc voilà le code. Et c'est reparti. Donc Motisma, Chimpanfeu, Lucario, Fampi, Tarsal, décidément. Skitty, Ratatif, Polarume, Simiabraze en reverse. Qui est vraiment classe d'ailleurs. Et donc on a Brouabam en rare. Et puis bah maintenant bah on va passer au booster précédent. Et on va découvrir la carte ensemble.
Je sais pas du tout qui c'est, hein, j'en ai aucune idée. La dernière fois, Kayos, il avait eu Saloudia. Il était super content. C'est qui ça? C'est Articode. J'espérais l'avoir aussi celui-là. Oh bah du coup, j'ai de la chance. Elle est vraiment magnifique. J'espère que vous la voyez bien à l'écran parce qu'elle est vraiment mais trop belle. Je suis vraiment contente de la voir. Elle est magnifique. Ah, elle a de ses reflets. Bon, je préfère quand même la Ludia de Chaos, mais l'Articodin, c'était aussi une carte que je voulais parce que je la trouvais trop belle. Donc franchement, je suis contente. Je vais faire attention, j'ai pas envie de l'abîmer. Parce que parfois, quand on les met en fait dans les protections, bah, ça peut ripper et tout au niveau des coins, là, juste là. Alors du coup, bah, ça va abîmer vos cartes. Bah forcément quoi, si jamais vous les envoyez à PCA, tout ça, bah elles perdent de la valeur. Donc bah écoutez, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc là on a. Attendez, je vais vous les mettre comme ça. Voilà, donc ici on a les deux cartes holographiques qui sont vraiment très belles. Bon, la plus belle c'est Articodin, hein. On va pas se mentir quand même, hein. Mais ouais, elles sont vraiment superbes. Je vous les remontre. Quoi, j'arrive à les attraper. Donc ouais, elles sont vraiment magnifiques. Et puis donc, pardon, je les ai fait tomber. Et donc ici, vous avez l'Articodin qui est vraiment superbe. Et en fait, j'avais envie de terminer la vidéo, mais en fait, non. Non, on va pas terminer là. Donc, Chaos m'en veut pas. T'es pas au courant, t'es au courant de rien. Rien du tout. Mais bougez pas, ça va prendre 2 secondes. Voilà, donc en fait, plutôt que de terminer la vidéo tout de suite, j'ai envie de la prolonger un petit peu. Donc bah, j'ai piqué 2 boosters au pif, donc dans le display, qu'on avait de Soleil et Lune, que Keios vous avait montré. Donc oui, je sais, il va m'engueuler, parce qu'il n'est pas au courant. Donc en fait, bah, il va le découvrir quand il regardera la vidéo. Donc voilà, quand tu regarderas cette vidéo, bah m'engueule pas trop en fait, m'en veux pas. Donc voilà, donc là je les ai pris au pif, donc bah en plus ces 2 Solgaleo, il va vraiment être furax. Parce que normalement je lui laisse toujours et bah là en fait j'en ai chouré 2 quoi. Donc bref, voilà. Donc, du coup bah c'est parti, on va tout de suite les ouvrir. Bon, si après j'ai rien, bon bah c'est pas grave, hein. Au moins j'aurai eu des holos, puis bah bien sûr l'Articodin EX. Donc le code, bah, c'est toujours pour vous, hein, comme d'habitude. 2, 3. Celle-là, c'est la carte énergie. Donc bah, ça, on s'en fout, même si je vous la montre. Et c'est parti. Donc, et flèche, Persian d'Alola, Ponchien, Carvana, Picasso, Mascaïman. Non, celui-là, je l'aime pas. Rapace de pique, Motis Madex, en reverse. Et je crois que ça me porte pas chance. Et donc là, on a Mastouf. Donc oui, ça me porte pas chance en fait. J'aurais peut-être pas dû piquer 2 boosters. Donc là, on va terminer avec le dernier. Voilà, 1, 2, 3. Ici on a la carte énergie, donc c'est bon, je me suis pas gourée. Et donc Hypnomade, Picléron, Énergie Multicolore, Araqua, Miaouz d'Alola, celui-là il me suit tout le temps. Caninos, Nodulite, Cosmog, Échange, donc en reverse. Et non, en fait, c'est pas bien. En fait, faut pas piquer des boosters en secret. C'est pas bien, faut pas faire ça. Ça m'a pas porté chance. Bon, c'est quand même une holo, hein. C'est pas dégueulasse. Mais en fait, non, là, ça veut dire t'aurais pas dû les prendre. J'ai quand même encore envie d'en prendre un. Il va m'engueuler, hein, si je fais ça. Ah, il va m'engueuler.
À votre avis, je le fais ou pas? Ouais. Je prends un ou je prends deux? Non, il va m'engueuler, hein. Allez, on s'en fout, c'est Noël. Bah décidément. Ceux-là aussi, je les ai pris au pif. J'ai deux fois les mêmes. Sérieux, quoi. Donc on va voir si en fait, si j'aurai plus de chance ou pas. Non, parce qu'en général, j'ai toujours quelque chose. Donc c'est soit j'ai de la chance ou alors, bah en fait, faut vraiment pas piquer. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, l'énergie. Ouf. J'allais refaire un, deux, trois. N'importe quoi. Donc, maillet écrasant, matoufeu, échange d'énergie, paras, chenipan, makuita, lupio, toqué des marous, nodulite en reverse. Non, faut pas piquer en fait. Faut vraiment pas piquer. Et mascadra. Donc, en fait, je suis en train d'éliminer tous les boosters pourris, entre guillemets. Donc là, ça va, je pense pas qu'ils m'envahissent. Bon, sauf si là, je sors une secrète, là, il va me vouloir. Donc, le code, comme d'hab. 1, 2, 3. Carte énergie. On la remet bien, sinon je vais me spoiler, ce serait con. Alors, tarambule, une carte de réserve, celle-là on s'en fout. Spinda, mongloton, aragdo, goélise, otaquin, caninos, merde. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais moi je le vois parce que bon, bah je cadre pas très bien comme d'habitude, mais en fait là je me suis spoilé la gueule. Ouais, en fait, je vois la carte qui est en dessous. Pas vous, mais moi je le vois. Et en fait, ben j'ai que dalle. Voilà. Donc là, c'est gigalitolo. Bon, c'est bien. C'est bien, hein, c'est bien. Mais bon, je préfère les GX, les foulards, les secrètes. Enfin, voilà quoi. Donc en fait, bon, faites pas comme moi quoi. Si jamais vous faites des trucs en couple ou entre potes, etc., au niveau des ouvertures, bah le faites pas, piquez pas de booster en douce. Parce que bah vous voyez le résultat, quoi. Au final, j'ai ouvert quoi 4 boosters. Là de Solayoline, là que j'ai chouré là juste avant. Donc bah voilà. J'ai eu 2 holos. Et bah j'aurais pas dû. Voilà. J'aurais pas dû, je suis pas récompensée. J'ai pas eu de secrète, j'ai pas eu de foulard, j'ai pas eu de GX. Voilà, j'ai été méchante. Donc voilà, bah Kélios, bah du coup tu m'en voudras pas, hein. J'ai pas chopé les bonnes cartes, on va dire. Donc voilà, m'en veux pas, me gueule pas dessus, me tape pas dessus. Voilà, gueule pas, hein. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Et puis bah surtout, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et puis ben, on se retrouve très très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire. Et puis bah voilà. Voilà, on se retrouve très très bientôt. Bye.